5 heures de sortie, 3 heures de pure balade rythmée entre forêt, chemin roulant et partie technique. Prendre le temps d'apprécier. Deux pauses pour se réhydrater et se remémorer les passages déjà engagés. Avec une seule envie, d'y retourner. Petit débriefing de prise en main, et les appréhensions des débuts sont vite balayées en quelques kilomètres. Le conseil, cela paraît évident et pourtant on n'y pense pas. Évitez de rouler dans les flaques, tout simplement pour ne pas la souiller. Cette eau-là, les animaux en ont besoin. Vas-y! Hein? Oh, la passe est... Easy!
Oh la vache. La balade se termine, c'est physique, il faut se battre avec le guidon. Le rayon de braquage est presque inexistant, mais alors c'est un véritable char d'assaut. On apprend vite à faire confiance à la machine. Ça passe une fois, deux fois, alors ça passe partout en fait. La vidéo écrase le relief, mais le dénivelé était impressionnant à certains moments. Je regrette presque d'avoir laissé la stabilisation afin d'être encore plus immersif. Véritable concentré de fun, de sensations et de vibrations. Pour en exploiter toutes les possibilités, cette balade a permis de pratiquer tous les types de terrain. Un grand merci à notre accompagnateur en or, gentillesse, patience ou petits soins pour te faire profiter de la plus belle des manières. À refaire, ça c'est une certitude. Ouais, c'était bien.